Cet entame de match raté de la part de la SS. Honnêtement, je ne pourrais pas vous dire grand-chose. Je pense qu'on a mal entamé notre match, comme vous l'avez dit. On a fait des erreurs, on a donné des buts, malheureusement. Je ne pourrais pas l'expliquer. Nervosité, le fait qu'il y ait 33 000 spectateurs, l'envie de bien faire Non, je ne pense pas. On a des genres d'expérience. Je pense que c'est surtout l'envie de gagner, l'envie de bien faire. Malheureusement, c'était un début de match sans. On a mal entamé et on a redonné des buts. Après, je pense qu'on s'est repris, mais c'était un peu trop tard. Qu'est-ce que vous êtes dit justement pendant la coupure au vestiaire, c'était quoi le discours pour peut-être mobiliser? Honnêtement, on était tous déçus de l'entame. Après, on avait conscience qu'on avait fait une mauvaise entame. Donc on s'est remobilisé, on a bien parlé, on s'est donné des consignes pour mieux entamer la reprise. Et je pense que c'est ce qu'on a fait. Malheureusement, on partait 3 buts de retard, donc c'était compliqué. Vous avez quand même eu le sentiment que c'était possible de revenir. Vous revenez à 3-1, derrière il y a encore des occasions. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, comme je l'ai dit, à 3-0 c'est compliqué. Après, on revient à 3-1. Je pense qu'on maîtrise un peu notre match. Ils défendent bien, c'est une équipe solide. Après, on a quelques situations que si on négocie mieux, je pense qu'à 3-2, c'est plus le même match du tout. Malheureusement, on n'a pas mis le deuxième but qui aurait pu nous faire du bien. Le fait que la série s'arrête, ça peut avoir une incidence ou pas forcément? Non, honnêtement, on est déçus, comme je l'ai dit, on est déçus, on aurait aimé enchaîner. Maintenant, on a notre match samedi, il va falloir relever la tête vite, un bon résultat et repartir de l'avant. Sur un plan personnel, on a le sentiment qu'il y a eu un Lamine Fomba avant et après l'interruption. Ouais, comme équipe, j'ai mal entamé, surtout moi qui ai mal entamé mon match. J'ai fait une erreur sur le premier but. Et après, je pense qu'à la reprise, quand on a discuté et que j'ai revenu dans mon match, j'ai réussi à faire un meilleur match. Et voilà, c'est bon. Même si il y a eu des résultats plus que corrects face au Havre, face à Bordeaux, là, face à un autre concurrent à la montée, est-ce que vous aussi ça montre ce qui vous sépare encore justement du top 5 de la Ligue 2 cette saison? Je dirais pas ça, parce que sur la totalité du match, je pense qu'on fait un match cohérent. Après, comme je l'ai dit, c'est une entame ratée, ça arrive. On est passé à côté de notre entame, malheureusement. Et il va falloir gommer ça sur les prochains matchs. Il va falloir faire un match consistant sur les 90 minutes pour viser plus haut. Merci beaucoup.